Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche matin, avec un nouveau live. Alors, je vais commencer par inviter quelques personnes. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde ce matin? Bonjour, coucou Sophie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Ah, ça commence à arriver, c'est super. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas sous la neige, parce qu'a priori, la neige a touché pas mal de régions cette nuit. Nous, Paris, c'était hier après-midi, mais bon, heureusement, ça n'a pas tenu parce que, bon, à Paris, la neige, c'est vite la catastrophe. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit live où on va tout simplement travailler un petit peu les yeux et finir par un joli rouge à lèvres rouge, puisque en général, quand je mets du rouge à lèvres de couleur, j'évite de trop charger au niveau des yeux pour vraiment mettre du coup en avant la bouche. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo pour inviter vos copines à nous rejoindre et faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors attendez avant que je commence. Hop. Je fais quelques petites invitations. Voilà. Coucou Yvonne! Coucou Irine! Bon, c'est bien, vous arrivez. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne heure pour vous ou pas, ce petit live. Mais voilà, moi, je m'apprête à aller déjeuner avec des amis. Donc, petit maquillage avant de partir, c'est toujours sympa. Je reviendrai en replay, car là, c'est opération repassage. On ne va pas faire brûler les vêtements de ma famille. Ah non, 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 c'est sûr. C'est pas le but de faire brûler les vêtements, on est bien d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu sais que tu peux retrouver le replay comme d'habitude. Alors, je vais commencer par appliquer ma base. Donc, ce matin, hydratation de mon visage avec la crème de jour et hydratation de mes lèvres également. Voilà, je les ai exfoliées en me levant ce matin. Donc, je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Voilà, c'est mon petit rituel que je fais tout de suite le matin. Alors après, sauf si je me maquille, on va dire 5-6 heures après, ça m'arrive de le refaire. Juste pendant l'assiette d'arrêt. Eh ben parfait, Émilie, tu vois. Alors, j'essaye de changer un peu les horaires. Bon, surtout, ça correspond au moment auquel je me maquille, moi, dans ma vie, en fonction des jours, en fonction de mes obligations. Mais surtout, voilà, ça permet de toucher un peu plus de personnes. Oui, donc, je disais, donc, le matin, j'exfolie mes lèvres avec, donc, l'exfoliant, donc qui est en fait fait de cristaux de sucre qui vous permet en fait d'éliminer vos petites peaux mortes au niveau des lèvres. Et derrière, j'hydrate avec un baume à lèvres, un lip bonbon que j'ai là et que je vais mettre d'ailleurs de suite, même si j'en ai déjà mis ce matin. Vaut mieux toujours deux fois qu'une. Et puis nourrir, ça ne fait jamais de mal. Que ce soit à votre peau, à vos lèvres, ça ne fait jamais mal. Donc, j'ai prélevé ma base Glorious, toujours pour bien avoir un fini au niveau du fond de teint et une uniformité. Alors, vous allez le voir aujourd'hui, je vais avoir de la correction à faire. Donc, hop. Parce que, voilà, les changements de température, les différentes choses qui peuvent arriver dans la vie font que j'ai deux jolis petits boutons qui sont sortis. Mais c'est pas grave, hein, on va les corriger. C'est là pour ça, le fond de teint et surtout le correcteur qui va me permettre de bien les faire disparaître. Alors, j'attache juste mes cheveux. Hop. Et voilà, c'est fait. Alors, donc, j'ai appliqué ma base sur tout le visage. Alors, aujourd'hui, je vais bien rappeler comment se servir du fond de teint puisque j'ai plusieurs clientes qui ont commandé dernièrement le fond de teint. Et donc, du coup, c'est bien de savoir à peu près
comment bien l'appliquer au niveau des quantités et au niveau pour obtenir le meilleur rendu. Donc déjà, on applique la base en amont. Ensuite, bon, moi j'utilise le fond de teint liquide qui a une couvrance, je dirais moyenne, ni trop couvrante pour les peaux qui peuvent être à grosse rougeur ou des choses comme ça, ni trop fine comme une bébé crème qui va laisser vraiment plus apparaître les petites, je dirais pas imperfections, mais qui va laisser beaucoup plus apparaître la peau naturelle. Alors, donc je vide ma pipette déjà pour tout ce qui est dans la pipette. Je la chauffe et en même temps, je la secoue un petit peu. Voilà, donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, quand vous allez prélever votre fond de teint, donc vous appuyez sur la pipette, et en fait, là, vous allez déposer 4 à 5 gouttes petites, si vous regardez. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Elles sont petites, mes gouttes, et je les mets autour. Je ne mets pas des grosses gouttes. Vaut mieux en remettre une seconde fois, mais pour éviter tout simplement que le produit descende. Et après, vous le déposez sur votre visage à différents endroits avant de le travailler. En mouvement circulaire, on travaille son fond de teint. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, ça me fait toujours plaisir de voir qui c'est qui est parmi nous. Alors, on n'oublie pas d'appliquer le fond de teint sur la paupière, de le fondre au niveau des oreilles, des deux côtés et au niveau du cou. Vous voyez, pour moi aujourd'hui, c'est un peu léger d'avoir mis juste 4-5 gouttes parce que je mets vraiment des petites gouttes. Donc, je préfère en remettre une deuxième fois plutôt que de mettre des grosses gouttes. Moi, je dépose vraiment la matière au fur et à mesure. Comme ça, au moins, on voit la couvrance au fur et à mesure sur son visage. Sachant que vous voyez mes imperfections qui sont là, c'est pas avec le fond de teint que je vais arriver à les corriger. Le fond de teint, il est là pour uniformiser votre peau et non pour corriger. Donc, on va corriger les cernes, surtout le lendemain d'un samedi soir, j'ai envie de vous dire, où la soirée a pu être un peu longue, comme souvent. On n'oublie pas les arêtes du nez et au niveau du fond de teint. Bonjour Adeline, bonjour Lydie. Ah, c'est bien, il y a du monde ce matin. Donc, je tire bien mon fond de teint. Alors, je vais passer au correcteur et peut-être que je reviendrai après au fond de teint, mais je vais déjà pour le moment corriger mes petites imperfections pour voir au niveau du rendu, mon fond de teint, comment est-ce que ça se passe au niveau de mon visage. Donc, une fois de plus, je prélève mon correcteur anti-cerne. Moi, je le prélève au doigt. J'aime bien le travailler au doigt. Je trouve ça un peu plus, je dirais, plus précis. Donc, hop, on l'applique au niveau des cernes. Et vous voyez, j'ai deux imperfections. Alors, il va me manquer un peu de matière. J'en reprends. Et je vais commencer par mes jolies imperfections. Alors, vous voyez, ça commence à partir. C'est camouflé grâce au correcteur. Donc, je l'applique en petit appointement. Bonjour Fabien, Laetitia. Donc, je suppose que c'est Laetitia qui est parmi nous. Vous voyez la différence? Donc, effectivement, le correcteur, contrairement au fond de teint, lui, il va corriger les imperfections. Il est vraiment là pour ça. Donc là, je m'attaque à ma cerne. Et je vais également déposer un petit pot sur ma joue. Voilà, pour ma part, j'ai un peu de couperose sur les joues. Donc, j'ai pas envie aujourd'hui qu'elle ressorte de trop. Même si en général, ça ne me dérange pas forcément puisque ça donne un effet bonne mine. Mais vous voyez, du fait de le tapoter de cette manière-là, votre correcteur va se fondre dans votre fond de teint sans laisser de démarcation. Je fais également un petit peu sur le dessus. Par habitude, j'aime bien que tout mon visage soit uniforme. Hop, avant
que j'attaque le travail des yeux ou le travail de la bouche. Voilà. Comme ça vous permet de voir que rien qu'avec le correcteur et le fond de teint, on peut obtenir un beau teint sans pour autant faire le travail des yeux si on a envie juste de s'arrêter au niveau du fond de teint. Donc vous voyez ma partie de droite? Alors pour vous, c'est peut-être la partie de gauche, je ne sais pas du coup avec l'effet miroir du téléphone. Mais normalement, vous devez bien voir voilà, l'effet qui se passe grâce au correcteur. Au niveau de la cerne, vous voyez tout ce côté rouge, je ne l'ai plus de ce côté-là. Et surtout, mes deux bonnes imperfections que j'avais là sont bien camouflées. Alors, si vous voulez encore plus avoir un meilleur résultat, n'hésitez pas à chauffer votre correcteur entre vos doigts au moment où vous allez l'appliquer. Comme ça, vous allez vraiment avoir une matière qui va encore plus directement avoir le rendu que vous souhaitez lui donner. Est-ce que c'est clair pour vous, mesdames? Surtout celles qui ont déjà commandé le fond de teint et qui vont pas tarder à le recevoir ou qui l'ont déjà reçu. Donc, je travaille ma cerne. Vous n'êtes pas très bavarde ce matin. C'est le dimanche matin, c'est pour ça? Donc, comme je l'ai expliqué précédemment sur voilà, la partie de droite, j'ai de la coupe rose au niveau des joues. Donc, vous pouvez, alors si vous voulez, si elle n'est pas seulement à un endroit précis, vous pouvez mélanger le correcteur par exemple à une bébé crème pour lui apporter de l'hydratation et ainsi avoir un fond de teint qui sera beaucoup plus couvrant. Dans mon cas, j'ai vraiment que de la coupe rose au niveau des joues. Donc, du coup, je préfère travailler légèrement au doigt le correcteur à l'endroit précis où j'en ai besoin, ce qui m'évite d'avoir un fond de teint trop couvant sur tout le reste du visage. C'est dimanche. Alors, on est fasciné. Oh, c'est gentil, Sophie. En tout cas, j'espère que mes conseils vous aident pour vous-même appliquer vos produits du mieux possible. Pardon, je travaille au niveau de mon œil, donc du coup, j'évite de parler en même temps. Voilà, pour que vous ayez le meilleur rendu possible. Mais là, je pense que déjà, vous vous en rendez compte que le fond de teint, voilà, il uniformise. Il arrive demain ou mardi, je commanderai la prochaine fois le correcteur. Il faut faire petit à petit Adeline ou toutes les autres personnes. Dites-vous bien que voilà, c'est normal. Vous allez acheter au fur et à mesure. Vous allez aussi voir comment votre peau va réagir. Si vous voyez qu'il y a assez de couvrance ou s'il faut lui rajouter quelque chose. Ce sera au fur et à mesure que vous allez pouvoir en fait voir si la texture que vous avez choisie vous correspond, est assez couvrante ou si le correcteur est nécessaire. Après, excusez-moi, il y a des personnes qui ne souhaitent pas trop de couvrance. Là, mais vous le voyez, ça reste léger, hein. On voit quand même mon grain de peau. Donc, on reste sur une couvrance qui est discrète, mais tout en ayant corrigé toutes les imperfections. Notamment mes deux boutons que j'avais en début de live que vous avez peut-être vu et qui étaient très rouges et mes cernes. Voilà, j'ai la peau fine, donc effectivement les cernes rougeâtres, rouge bleuté, voilà, ça fait partie de ce que j'ai au niveau de ma peau, quoi, à corriger. Alors, si vous voulez, vous pouvez un tout petit peu déposer de matière au niveau du fond de teint pour passer dessus, mais ce n'est pas forcément utile. Vous voyez, c'est vraiment léger, j'ai pas remis beaucoup de matière, juste une petite goutte pour vraiment le fondre et qu'on n'ait aucune démarcation. Bonjour Grâce! Voilà, je pense qu'on a un beau teint. Qu'est-ce que vous en pensez? Celles qui ont été là peut-être depuis le début, vous voyez bien que, enfin, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, mon teint a été complètement corrigé. Alors maintenant, je vais le fixer pour que surtout tout ce fond de teint tienne toute la journée. Alors tout ce fond de teint, c'est juste une façon de parler. Enfin, le travail que j'ai fait au niveau de mon fond de teint soit fixé. Alors je vais utiliser moi la poudre Behold qui est transparente, qui du coup en fait va pas rajouter de matière à votre visage, va juste apporter la couvrance qu'on lui demande. Alors j'en mets un petit peu plus toujours sous les yeux, puisque c'est l'endroit où j'ai travaillé le correcteur et sur la joue. Sachant que c'est une poudre transparente, elle ne va pas
changer la couleur, elle va juste permettre de bien fixer le fond de teint. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo hein, pour que les personnes la voient en direct. Je sais que souvent on me dit oh, zut, j'ai loupé ton live, du coup j'ai pas pu poser les questions. Il n'y a pas de souci, je réponds aussi aux questions en dehors du live, hein, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que le live, ça a cette petite particularité que du coup je peux vous suivre. J'en suis vraiment contente, tout comme la base. Super Adeline, c'est bien d'avoir vos retours au niveau des produits. Voilà, comme ça, ça permet à chacune de voir que les appréciations de chacune. Surtout que, effectivement, moi je suis complètement d'accord avec toi, que ce soit la base ou la poudre, la base elle a vraiment un effet qui va lisser votre peau et qui va lui apporter en fait un toucher velouté. Moi je dis toujours, si on pouvait garder le velouté qu'on a, qu'ont les enfants, les bébés à la naissance, ce serait top. Et ben là, avec la base, honnêtement, moi je le sens, ma peau elle est toute veloutée, toute douce au toucher. Je pense qu'Adeline, tu pourras confirmer puisque tu l'utilises également. Et au niveau de la poudre, l'avantage, c'est que voilà, elle laisse vraiment un fini naturel. Alors, elle ne va pas avoir l'objectif de matifier là puisqu'en fait... Oh. Alors, je ne sais pas pourquoi le haut, Sophie. Oui, tout à fait d'accord, on a la peau toute douce. Voilà. La poudre Behold va pas avoir un effet matifiant sur le fond de teint liquide de chez Unique puisqu'il a déjà un fini poudré. Il va avoir juste l'effet qu'on lui demande de fixer le fond de teint. Par contre, si vous utilisez un fond de teint qui peut être, qui peut avoir un fini un peu plus brillant, un peu plus satiné surtout, vous allez avoir grâce à la poudre Behold, vous allez avoir un fini qui sera beaucoup plus matifié grâce à la poudre pour la toute douce. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah moi, voilà. Bon, j'ai fini de poudrer parce que mine de rien, je vous parle. Mais comme en fait, ce pinceau, il est doux aussi, je continue. Et en fait, si vous regardez, ça rajoute pas de matière. Puisqu'en fait, cette poudre est tellement transparente que, voilà, on a juste un fini poudré comme on veut, mais sans rajouter d'épaisseur de matière. On reste avec une peau qui reste quand même avec un fini naturel. Voilà. Alors, je vais passer aux sourcils. Alors, on me pose souvent la question, pourquoi je fais les sourcils avant et pas après? Alors, ça, c'est une question de choix. Moi, personnellement, le matin, si je n'ai pas le temps de faire le travail sur mes paupières, je pars jamais sans avoir fait mon teint et en ayant fait mes sourcils, un coup de mascara et des fois juste un lip bonbon pour nourrir les lèvres. Oui, le pinceau est trop doux. Merci Émilie pour ton retour. Si vous souhaitez le faire à la fin, c'est comme vous voulez. Mais par expérience, il y a certaines femmes en le faisant à la fin qui ont tendance à oublier. Alors c'est un peu dommage parce que vous allez voir, là mes sourcils, ils sont tout sauf travaillés. Une fois qu'on a le sourcil travaillé, notre œil commence déjà à se révéler. Donc moi par expérience, je vous conseillerais plutôt de le faire au début. Alors moi j'utilise la palette. Je vous remontre quand même la différence. Vous avez soit la palette à sourcils, avec différents compartiments, soit les crayons à sourcils. Alors, je dirais les crayons à sourcils, c'est en cas de maquillage très très rapide. Vous avez 5 minutes pour vous maquiller. Voilà, avec le crayon à sourcils, c'est parfait. Vous allez pouvoir vous maquiller très rapidement. Maintenant, on va parler économiquement. C'est un crayon. Donc, en fait, vous allez... J'ai les mains avec de la crème. Non. Vous allez en fait devoir le visser pour sortir. Il va donc se consommer beaucoup plus vite. Donc économiquement, la palette paraît plus chère au début, mais au moins vous allez la garder beaucoup plus longtemps. Et en plus de ça, elle vous servira aussi bien pour un travail de sourcils léger, si vous voulez, ou plus structuré. Vous avez également le gel à la fin pour fixer et deux ombres qui peuvent vous servir pour donner des points de lumière au niveau des paupières. Donc après, voilà, moi je vous donne mon avis. Le crayon, je l'utilise vraiment que quand en cas de maquillage très rapide.
Alors si vous regardez, moi j'ai toujours besoin en fait de rallonger un peu mes sourcils parce qu'en fait le tracé parfait on va dire d'un sourcil c'est de l'arête externe du nez à l'angle externe de l'œil. Et en fait moi là je l'ai rallongé parce que là si vous regardez il est un peu court. Mon sourcil s'arrête trop haut. Donc du coup il va également falloir que je le rallonge et il permet également donc de l'épaissir si comme moi vous avez fait des bêtises au moment de l'épilation. Ou que tout simplement votre pilosité est un peu plus légère, il faut savoir en fait que le travail du sourcil va vous permettre de révéler vraiment votre œil. Déjà, il va permettre de dégager la paupière, donc de laisser bien place après au travail du fard à paupières. Est-ce que vous voyez la différence? Alors pour moi, c'est flagrant. Pour le moment, il n'y a pas de travail d'œil au niveau de l'œil, donc il n'y a même pas le mascara. Donc forcément, on est très attiré sur le sourcil. Ça peut pas, ça peut donner l'impression peut-être que c'est trop foncé, et je vous garantis que non, vous le verrez à la fin. En fait, ça finit par se fondre. Mais au moins, on a un beau travail de correction. En tout cas, pour moi, c'est vraiment essentiel de se corriger les sourcils lors d'un make-up. Alors, pour avoir un fini vraiment naturel, vous voulez brosser un petit peu après pour être sûr qu'il soit en bonne position, comme cela. Du coup, la poudre que vous avez déposée va légèrement se fondre. On ne va pas avoir de dénivelé et on va en fait les fixer à la fin avec la partie qui se trouve là. Voilà, qui est un peu plus gel, qui va permettre de fixer les sourcils et ils vont donc éviter de bouger. Pendant la journée, quand vous allez passer votre main dans les cheveux, quand vous allez avoir n'importe quoi, une écharpe, voilà, il y a des sourcils qui sont indisciplinés. Donc, si vous pouvez les fixer, c'est toujours mieux. Comme ça, ils ne bougeront pas au courant de la journée. S'attaque au deuxième. Vous voyez bien la différence? Décidément, le dimanche matin, vous n'êtes vraiment pas bavarde, hein? À moins que vous n'ayez peut-être pas de questions. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être le faire là plutôt. Alors, le problème, c'est que je ne me vois pas bien dans ce miroir, donc je vais faire plutôt dans l'autre. Je vais faire dans mon petit, je vais faire en sorte que vous voyez, je pense comme ça. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, je vois qui est parmi nous. Non, admirer, c'est un grand mot quand même. Yvonne, vous... Est-ce que vous prenez des notes pendant que je fais les lives pour les petits conseils que je vous donne? Histoire de ne pas les oublier, c'est important, je pense. Parce qu'au début, ça peut paraître être beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, ça vous servira toujours. Il y en a peut-être qui sont déjà en train de cuisiner. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Le travail des sourcils est fini. Alors, je vais fixer encore celui de gauche. Ah, mais déjà, on se sent mieux quand les sourcils sont faits. Alors, étape d'après. Je vais faire un travail des yeux assez léger, comme je l'ai dit au début du live, puisque je vais faire un rouge à lèvres rouge à la fin. Un peu de glamour aujourd'hui, en ce dimanche qui n'est pas aussi ensoleillé que cette semaine qu'on a eue. Donc ça va nous faire un peu du bien d'avoir les lèvres colorées. Alors en premier, je vais appliquer la base sur les yeux. Alors c'est une base qui est légèrement teintée.
que je vais à nouveau chauffer et appliquer sur la paupière et qui va permettre de fixer la couleur et de la révéler. Parfait, bah alors regardez si vous voulez les filles. Je parle toute seule, mais ça ne me dérange pas. Si pour vous, les conseils, voilà, vous aident, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, surtout. C'est surtout ça. Il y a de la neige à Paris? Non. Non, non, Milou, c'est ce que je disais au début du live. On en a eu hier en fin d'après-midi. Beaucoup, des gros flocons. Mais au réveil ce matin, non. Par contre, je sais par de la famille, des amis, qu'il y en a dans tout l'est de la France, par exemple, en banlieue parisienne aussi, il a pas mal neigé. Donc voilà, aujourd'hui, simplement, sur Paris, c'est un peu grisâtre. Voilà, la grisaille est de retour. Mais bon, on espère que le soleil va revenir. Donc, j'ai appliqué ma base. Je vais passer... Alors, à prélever... Alors, en ce moment, il y a une offre Kudo que je vous réexpliquerai à la fin du live avec des fards à paupières, un rouge à lèvres, un mascara avec une offre dans le Nord aussi. Ah, il a neigé également aussi, Sophie, dans le Nord. Non, bah, tu vois, je ne savais pas. Mais heureusement que vous êtes là pour me donner vos nouvelles ou la météo dans chaque région. Alors, attendez, je vois que mes deux boutons ressortent. J'ai été un petit peu... À l'économie, je voulais pas en mettre de trop, mais ils sont bien bien rouges, donc on va faire du vrai camouflage. Voilà. Je repoudre. La France te regarde. Oui, c'est vrai qu'avec ces lives, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut transmettre ses conseils partout, partout en fait. C'est qu'on ne s'arrête pas juste à son entourage, ça permet de partager ses expériences avec tout le monde. Je rentre ce soir. Ah, alors attention, parce que peut-être, il reste sur les voitures seulement. Attention, oui, parce que peut-être tu risques d'avoir de la neige en rentrant ce soir. Alors, au niveau aujourd'hui du fard à paupières, donc j'utilise à nouveau le pinceau de luxe. Je vais appliquer la teinte timide sur l'ensemble de la paupière. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage totalement mat, vous allez voir. Tout simplement, vous allez. Je vais faire donc un maquillage totalement mat. Sans faire de point de lumière au niveau des yeux comme j'ai habituellement l'habitude de le faire. Mais tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un fini mat puisque le rouge à lèvres que je vais utiliser est mat. Et du coup, ça sera totalement mat des yeux aux lèvres. Donc, j'ai appliqué la couleur timide. Alors, je vous montre sur ma grande palette. Hop. Qui est donc celle-là. Voilà. Qui est légèrement beige orangé. Sur toute la paupière. Ensuite, avec le pinceau creux de paupière ou repli de l'œil, voilà, ça dépend, c'est le nom exact, si je ne dis pas bêtise, c'est repli de l'œil, mais c'est pour le creux de paupière en fait, là. Donc je vais utiliser la couleur... Attendez, alors je vais peut-être faire autrement. Je vais d'abord utiliser le pinceau biseauté éponge, qui est celui-là, vous voyez, pour appliquer la couleur astute de manière un peu plus large que mon travail que je vais faire après, vraiment uniquement dans le creux de paupière. Je prends ton live en cours, merci pour ces précieux conseils. Avec plaisir, Elodie, merci pour le petit coucou. Donc, je dépose la matière dans le creux de la paupière. Je l'amène un petit peu plus devant pour le dégrader. Mais pas du tout sur la paupière mobile. Hein. Donc, la paupière mobile, c'est celle-là où on a appliqué le timide tout à l'heure. Alors, pensez toujours à chauffer votre matière pour pas qu'il y ait de taches. Alors,
une fois que vous avez déposé votre matière, pour encore plus l'estomper, vous pouvez utiliser le pinceau estompeur qui du coup va enlever toutes les éventuelles taches que vous pourriez avoir. Donc, je reprends la matière astute. Que je dépose vraiment uniquement dans le creux de paupière au niveau du repli de l'œil. Hein. Donc c'est clair pour vous, uniquement là. Alors, à nouveau, le pinceau estompeur. Et oui, les termes ont un peu changé depuis mes études. Donc forcément, bah, moi j'ai l'habitude d'appeler les pinceaux d'une certaine manière. Mais voilà, chez Unique, il s'appelle pinceau estompeur l'autre. Pas celui que je suis en train d'utiliser, hein, on est bien d'accord. Alors, après, donc, je vais utiliser le pinceau repli de paupières, repli de l'œil, qui est donc un pinceau boule, et je vais appliquer la matière gullible, qui va du coup, celui-là il est plus précis, donc du coup je vais vraiment rester que au milieu pour donner de l'intensité un tout petit peu au milieu, pas trop, parce que je veux quand même garder un maquillage assez léger au niveau des yeux. Donc, je dépose la matière. Et vous la chauffez en faisant des petits mouvements circulaires, hein, toujours. C'est tellement une habitude pour moi que j'oublie des fois de le rappeler. Mais en fait, pour révéler votre matière, il faut absolument la chauffer. Faites des essais sur votre main. Vous verrez qu'en déposant juste la matière et en la travaillant par petits mouvements circulaires, elle n'aura pas la même teinte. Et surtout, elle se fondra beaucoup mieux. Donc là, je suis sur la couleur la plus foncée que je vais utiliser pour ce maquillage. Donc je reprends un peu d'astute pour bien fondre les deux ensemble. Et en dernier, toujours le pinceau estompeur pour estomper mon travail de paupière. Parce qu'en fait, dites-vous que si vous déposez juste votre matière, vous allez avoir des taches et vous allez vous dire « Oh, j'arrive pas à faire le dégradé ». Donc vraiment, un travail de paupière, ça évolue en fait. Ça se travaille, c'est pas juste en déposant la matière qu'on l'obtient. Vous voyez, moi, ça fait plusieurs fois que je repasse dessus parce qu'en fait, à force de déposer à nouveau de la matière, de la chauffer par petits mouvements circulaires, on obtient vraiment le rendu qu'on veut, qui est vraiment du coup dégradé et uniforme. Sans effet de tâche, en fait. Est-ce que ça vous plaît? Vous voyez, on est dans des couleurs assez naturelles. Chaudes, puisque je vais mettre un rouge à lèvres de couleur chaude. Alors on n'oublie pas son petit pinceau fond de teint si on voit qu'on est un peu descendu, tout simplement pour corriger sa ligne. Alors là je vais faire le dessous de l'œil avec le pinceau biseauté ombreur. Légèrement, je vais le souligner légèrement. Donc en premier je dépose la matière gullible au ras des cils inférieurs. Et pour éviter, vous voyez, d'avoir un trait trop précis, je vais repasser avec le pinceau boule dessus, le pinceau repli de l'œil, pour en fait un petit peu diffuser cette matière. Et que du coup, mon trait soit moins précis. Parce que là, du coup, je veux un rendu un peu plus naturel et moins précis au ras du cil. Vous voyez? Donc, je vais recommencer de l'autre côté. Donc, à nouveau, la matière
La couleur gullible aura-t-il? J'ai déposé ma matière, mais vous voyez la différence entre les deux? En fait, celle-là, je vais l'estomper. Je le fais sur ce miroir. Parce que l'autre, je vois pas forcément bien. Coucou Marie, oui, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Bien attention à avoir la jonction entre le haut et le bas. Je remets un petit peu de matière parce que je trouve ma paupière de gauche légèrement plus claire. Alors, autre chose, mesdames, j'y pense, hein, des fois je fais des petites interruptions. Quand vous prélevez votre matière, vous y allez délicatement, de cette manière-là. D'accord? Pas en mettant beaucoup de matière. Dites-vous qu'on est sur des fards à paupières qui sont très pigmentés. Sinon, vous allez avoir des taches directement sur votre paupière, ce qui n'est pas le but. Vous y allez délicatement. Si vous estimez que vous en avez trop, vous enlevez l'excédent sur votre main. Vous le déposez comme ça, dans un premier temps, elle se chauffe. Et ensuite, vous allez en avoir encore dans votre paupière, dans votre pinceau. Et du coup, vous pouvez la déposer sur votre paupière. Voilà, le travail du fard à paupières quand il est pigmenté, il doit se faire minutieusement, pas en n'en mettant pas trop parce que sinon vous allez avoir vraiment un rendu qui va être taché de partout, ce qui n'est pas le but. Alors, je reprends mon premier pinceau que j'avais, le pinceau de luxe, et je vais remettre légèrement du fard à paupières timide sur ma paupière mobile. Voilà. Alors pour moi, on a un maquillage des yeux qui reste quand même présent puisqu'on est dans des couleurs chaudes, qu'on les voit par rapport à avant, mais sans être trop intense parce que du coup, je vais accentuer au niveau des lèvres tout à l'heure. Alors, l'étape suivante, je vais faire mon mascara. Donc aujourd'hui, mascara épique, tout simplement, qui va permettre, vous voyez, mes cils sont très clairs et pas très recourbés quand ils sont sans mascara. Donc du coup, il va lui permettre de lui donner la couleur, de recourber bien mes cils. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, hein. Donc là, je suis en train de faire mon travail des cils avec le mascara épique que vous pouvez retrouver donc dans le cudo du mois. Le cudo du mois, je vais en parler entièrement à la fin du live. C'est 4 fards à paupières, un mascara et un rouge à lèvres mat splash pour 78 € au lieu de 112 €, ce qui nous fait quand même une belle remise. Sachant que le cudo du mois est valable du premier du mois jusqu'à épuisement des stocks quand c'est des choses qui ne sont pas au catalogue, ou sinon jusqu'à la fin du mois quand c'est des choses qui sont au catalogue. Pour ne pas mettre de mascara sur ta paupière mobile. Alors, en fait, tout simplement, si tu regardes trop en l'air, tu vas trop monter tes cils et tes cils du coup vont avoir tendance à taper sur ta paupière. Toujours regarder plus vers le bas si vous regardez. Moi, je regarde vers le bas parce que moi aussi j'ai des longs cils une fois que je les ai recourbés. Donc, ne pas trop monter ta paupière en fait. Si tu regardes ton regard assez en bas, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir du coup éviter de taper au niveau de ta paupière mobile. Donc, petit conseil, vous travaillez d'abord la racine des cils. Voilà. Et ensuite, vous travaillez légèrement la pointe en la tirant sans toucher la paupière mobile au-dessus. En fait, moi, je le fais en deux fois parce que sinon, j'ai tout sur mon travail de paupière que j'ai fait juste avant, ce qui n'est quand même pas le but.
Voilà, donc vous voyez, mascara épique, sans mascara épique, sans avec. Et pourtant, je l'ai mis que en haut. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Adeline? Tu vois, je travaille d'abord le ras de cils en continuant à regarder en bas, en fait. Plus tu vas regarder haut, plus en fait ta paupière mobile va s'ouvrir et du coup tes cils vont se rapprocher de cette paupière mobile et vont avoir tendance à taper dessus. Regardez en bas quand vous faites votre mascara. Alors pour moi, le travail des cils est très important, donc vous voyez, j'y passe du temps, mais je veux pas de paquet et je veux surtout qu'il soit bien présent une fois mon maquillage terminé. Parce que ça révèle tout de suite le maquillage, vous voyez? Alors, je passe à celui du bas, puisque du coup, mon œil droit a séché. Et à présent, celui du gauche. Alors, j'ai tendance à ne pas trop charger ceux du bas, surtout pour la journée, pour éviter en fait d'alourdir mon œil. Voyez, juste ce qu'il faut en bas, sans alourdir l'œil. Alors, vous allez me dire, j'ai pas creusé mon visage. C'est normal, j'aime bien le faire aussi après pour vous montrer en fait, voilà, pour le moment, pour moi, mon visage est assez plat. Ça manque de modelage, ça manque de contouring qui va en fait révéler un peu les formes de mon visage ou corriger pour celles qui ont besoin. Alors j'utilise la palette contouring avec le pinceau correcteur, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Oui, pinceau contour, pardon, pas correcteur. Et je vais déposer la matière, vous faites ça dans le prolongement pour creuser. Pareil. Alors ça fait un peu indien apache, hein, ce que vous voulez au début, mais c'est pas grave, on va le fondre après. En haut également. Alors, un petit peu les arêtes du nez. J'en mets légèrement parce que moi j'ai déjà le nez assez fin. Le dessous du nez, si vous avez votre nez qui est un peu trop long, ça va le corriger également. Et on n'oublie pas le bas du menton. Alors, moi je vous montre les différentes étapes, mais si vous regardez, j'ai pas déposé de matière là, ni trop au niveau du nez. Parce que pour moi, c'est vraiment, je souhaite affiner la structure de la mâchoire, en fait, des joues, mais pas forcément les autres endroits. Et donc après, vous le fondez. Pour obtenir de la structure à votre visage. Alors, si comme moi, vous êtes descendu un petit peu bas avec le fond de teint, vous passez dessus et du coup, votre structure reste vraiment à l'endroit que vous avez besoin. Parce que vous voyez la différence. Concernant les couleurs les plus adaptées aux yeux marrons. Alors, l'avantage des yeux marrons, c'est que on peut pratiquement tout mettre, je dirais même presque tout mettre, puisqu'en fait, du coup, tu ne vas pas avoir une couleur qui risque, en fait, on dit que pour les yeux, il faut très souvent travailler les couleurs opposées, complémentaires, pour du coup révéler la couleur des yeux. Au niveau des yeux marrons, tu peux totalement travailler aujourd'hui l'harmonie que j'ai fait, par exemple. Parce que du coup, tu vas avoir une couleur chaude qui va révéler ton marron, mais tu peux également travailler des couleurs plus froides, comme les prunes, les rosés.
Et du coup, ça va te permettre également de révéler ton œil marron, puisqu'en fait, du coup, ton marron n'ayant pas une couleur précise, du moins une couleur qui est déjà teintée, on va dire le marron reste une couleur neutre, tu peux mettre n'importe quelle couleur sur les yeux pour les révéler. Après, moi, honnêtement, voilà la palette. Alors, il en manque 4 qui vont arriver. Là, on est dans les couleurs chaudes. Vous voyez, j'ai fait 2 lignes couleurs chaudes qu'on peut totalement travailler avec les yeux marrons, avec les yeux verts, avec les yeux bleus, et une couleur plus froide, là du prune. Alors, je dirais le prune va également très bien, mais sinon le rosé va donner plus d'intensité à ton œil marron. Pardon. Mais si tu veux en privé, on en discutera et je te donnerai les noms des couleurs qui sont vraiment appropriées pour ton type de couleur d'yeux marron. Alors, j'ai fait mon travail de contouring. Je vais également donner ma lumière au niveau. Alors, comme je l'ai dit, pas de lumière au niveau des yeux ou des lèvres aujourd'hui, seulement au niveau des petites pommettes avec l'illuminateur bénévolant qui se présente comme ça. Alors, du coup, je prélève avec l'autre côté du pinceau contour et je vais le déposer du coup sur la partie supérieure pour vraiment en fait mettre en avant cette partie supérieure de la joue. Quand il va y avoir de la lumière, ça va vous permettre de capter la lumière. N'hésitez pas à me faire un petit coucou hein, quand vous arrivez. Je ne vois pas forcément tout le monde si vous ne me faites pas un petit coucou. On peut le mettre également au-dessus, sur l'arc de Cupidon. Mais moi, c'est vraiment la pommette que j'aime bien mettre en lumière, parce que du coup, quand vous passez, qu'il y a un rayon de soleil ou une lumière, même si c'est une lumière artificielle, ça donne vraiment un super rendu et ça fait juste un effet un petit peu irisé à cet endroit-là. Alors, aujourd'hui, pas de blush. Quand je suis dans les tons chauds, j'aime bien utiliser les bronzers, en fait. Là, on est sur le bronzer Sunset que je vais appliquer à l'aide du pinceau blush. Au niveau, du coup, au niveau de la joue. Avec plaisir, il n'y a pas de souci, hein, je suis là pour ça, pour répondre. Coucou Isabelle! Alors, du coup, je souris, je dépose mon bronzer. Alors, le bronzer, il peut avoir 2 effets. Là, moi, je l'utilise comme blush pour mes joues, mais il peut également avoir un effet, en fait, pour rehausser en fait votre teint. Si vous, par exemple, vous trouvez un peu pâle, mais que vous avez corrigé votre teint, parce que votre teint, il faut toujours qu'il soit uniforme avec votre cou, qu'il faut pas qu'il y ait de démarcation avec votre cou, parce que sinon, à ce moment-là, on ne demande pas au fond de teint de faire son travail. Le travail du fond de teint, il est uniformiser votre visage avec votre cou, qui souvent, le visage a des imperfections contrairement au cou. Après, vous pouvez utiliser le bronzer pour excusez-moi, j'ai encore des restes de ma grippe. Vous pouvez utiliser votre bronzer en fait, soit comme blush, comme je suis en train de faire, donc où je dépose la matière, soit comme rehausseur de teinte. Donc par exemple, si vous vous trouvez un petit peu pâle, vous pouvez rehausser votre teint avec le bronzer. Vous voyez, c'est ce que je fais. Je travaille bien mon 3, moi, pour bien, du coup, avoir une bonne mine avec mon teint. Mais à la base, je m'en sers surtout, vous voyez, aujourd'hui comme blush. Alors attendez, je vais me regarder dans ce miroir pour ne pas faire de bêtises. Là, je suis montée un petit peu haut et un petit peu bas. Voilà, vous voyez, ça donne tout de suite bonne mine, je pense, non? Est-ce que vous le voyez comme moi? Donc le bronzer, aujourd'hui, moi, j'ai utilisé le Sunset. Donc, au niveau de mon teint, de mes yeux, c'est fini. Maintenant, je vais passer à la bouche. Alors, au niveau de la bouche, aujourd'hui, je vous ai dit rouge à lèvres rouge, puisque j'ai un maquillage des yeux assez léger.
voilà, dans des teintes chaudes. Alors en premier, je vais appliquer le crayon à lèvres Primal. Alors pour les rouges à lèvres, surtout pour un rouge à lèvres rouge, moi j'aime bien appliquer en premier le crayon pour bien délimiter ma lèvre. Et surtout, vous voyez, moi j'ai une lèvre assez petite, donc en fait je vais lui donner un petit peu plus de volume sur le dessus grâce au crayon. Alors souvent, je pense à quelque chose. Souvent, il y a des femmes qui me disent, alors c'est pas très joli le crayon comme ça seul, mais je pense à quelque chose que je veux absolument voir avec vous. Souvent, les femmes me disent, ça me paraît un peu blanc quand j'ai juste mon fond de teint. Pensez que le fond de teint ne fait que uniformiser. Le bronzer va lui donner l'effet bonne mine. Moi aussi, si vous regardez mon live un peu plus en avant par rapport à maintenant, là, j'ai vraiment la bonne mine. Du coup, mon visage, il est travaillé. Ça donne pas du tout le même rendu. Mais ce n'est pas le fond de teint qui doit rehausser votre teint. Comme ce n'est pas le fond de teint qui doit corriger vos grosses imperfections. Regardez, mes boutons, on ne les voit plus. Alors celles qui sont arrivées après doivent se dire, ah, elle avait des petits boutons. Est-ce que celles qui étaient là au début peuvent confirmer que mes deux boutons-là sont bien rouges, bien comme il faut? Alors vous m'excusez, je peux... Ah, Sophie, voilà, qui parle, c'est vraiment important. Alors peut-être que vous avez vu une peau, je ne sais pas, j'ai eu un appel en même temps. Je suis désolée. Alors vous voyez, j'utilise le rouge à lèvres Splash, qui est un rouge à lèvres mat. J'enlève l'excédent en fait pour ne pas gâcher trop de matière sur les lèvres. Et ensuite, je vais l'appliquer d'abord en bas. Petite correction. Le relief des boutons. Non, mais ça, il n'y a aucun fond de teint qui corrige le relief des boutons. Malheureusement, les boutons, on en a toutes, vous voyez, même moi j'en ai. Maintenant, quand on a déjà corrigé quand même. La teinte du bouton, c'est déjà beaucoup au niveau du maquillage. Alors, vous parlez en faisant les lèvres, c'est pas forcément l'idéal. Alors, vous voyez, je vais prendre mon pinceau à lèvres pour aller jusque dans les coins des lèvres, qui sera du coup plus précis. Je vais devoir corriger un tout petit peu ma lèvre du bas. Rouge glamour, exactement. C'est la couleur Stubborn. Si jamais, je crois que je ne l'ai pas dit.
Alors, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, du coup, le rouge à lèvres finit vraiment tout le maquillage. Alors, au niveau de ce que j'ai utilisé donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en ce moment, il y a une offre superbe. Alors, vous voyez, rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres mat. Oui, rouge à lèvres. Alors, attendez, je détache mes cheveux pour vous montrer le fini moins strict. Rouge à lèvres mat. Paupières mat. J'ai pas du tout travaillé de point de lumière. Vraiment, c'est un rendu totalement mat aujourd'hui. Le seul point de lumière que j'ai travaillé, mais celui-là, je le travaille même quand je fais des couleurs mat, c'est sur les joues. Mais au niveau des yeux, normalement, j'applique un point de lumière à l'intérieur de l'œil et sur la paupière sous le sourcil. Là, pas du tout. Je trouve ça tellement. Voilà, là, on est sur quelque chose de mat. On reste sur quelque chose de mat jusqu'au bout. Alors. Autre chose, mesdames, si vous avez tendance à avoir du rouge à lèvres qui se dépose sur vos dents, astuce que moi j'ai découvert il y a maintenant 15 ans à peu près lors de mes études, vous allez faire ça. Et en fait, votre excédent va se mettre autour du doigt, vous l'essuyez après, et plus une seule fois dans la journée, vous allez avoir du rouge à lèvres. Donc du coup, comme ça, aucun risque que vous en ayez sur les dents et que quelqu'un vous dise, ah, tu as du rouge à lèvres sur les dents. Attendez, parce que je vois quelque chose en même temps que je vous parle. L'avantage du crayon, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir corriger plus précisément vos lèvres à la fin. Vous voyez, là, moi, j'ai un petit peu ajusté. Comme il est ton sur ton, vous allez du coup avoir le rouge à lèvres qui sera du coup sur la partie principale. Et du coup, si vous avez besoin d'augmenter un petit peu vos lèvres avec le crayon, comme il est ton sur ton, vous n'aurez pas de problème pour corriger. Alors oui, donc je vous disais, le cudo du mois, c'est 4 fards à paupières de votre choix. Alors moi, elle est vide puisque moi, je les présente dans ma palette de 25. Aujourd'hui, j'ai utilisé Timide, j'ai utilisé Astute et j'ai utilisé Gullible. Voilà, alors si on avait utilisé un point de lumière en plus, j'aurais utilisé Optimistique qui est là. Donc, on rappelle le Kudo, 4 ombres à paupières, le mascara épique qui est là, qui vous permet du coup d'avoir des cils juste waouh. Et. Alors attendez, je corrige légèrement. Voilà. Et oui, quand on se rapproche, on voit les petites imperfections. Et en dernier, le rouge à lèvres splash. Donc, c'est les rouges à lèvres mat. Aujourd'hui, c'est Stubborn que j'ai utilisé. Rouge à lèvres glamour, rouge, tout ce qu'on aime. Mais avec un œil, un travail des yeux, des paupières, pas trop chargées surtout. Voilà. Est-ce que mes petits conseils vous ont plu? J'espère en tout cas, j'espère que ça vous aidera à avoir un autre type de maquillage. N'hésitez pas, celles qui sont arrivées en cours de route, à regarder en fait le début de la vidéo. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps à faire mon teint, mais pour vous montrer vraiment comment les utiliser. Du mascara épique. Et oui, en effet, le mascara, il est juste top. Je trouve que ça ne me va pas. Alors, il faut savoir, Laetitia, que le rouge à lèvres, au début, ça fait toujours bizarre à tout le monde. Moi-même, je suis la première qui n'en mettait pas. Maintenant, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer et il faut surtout pas trop maquiller le reste du visage pour que ça fasse pas trop. Pourquoi après encore merci ou que je verrai après le tout. Voilà, donc il faut s'habituer. Maintenant, effectivement, si on n'aime pas du tout, ça sert à rien de continuer. Mais en général, c'est juste que l'œil doit s'habituer aussi au fait d'avoir ce type de rouge à lèvres sur les lèvres. Parce qu'on est plus habitué à avoir les lèvres naturelles. Mais voilà, il faut essayer, il faut se laisser du temps. Vous voyez, moi j'ai mis un haut qui est noir. Du coup, vous allez plus mettre en avant votre maquillage sans en rajouter trop. Léger mais glamour. Voilà, Elodie, t'as totalement tout compris. C'est exactement le rendu que je voulais, un maquillage glamour au niveau des lèvres, mais léger au niveau des yeux et avec une tenue qui reste neutre dans les noirs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'étais ravie de partager ce nouveau petit moment avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Ceux qui ont de la neige, amusez-vous bien. Les autres, soyez prudents et on se retrouve très vite.
Alors, je réponds juste à cette petite question d'Isabelle. Quand on a les lèvres ridées autour, en fait, il ne faut pas oublier de mettre le crayon à lèvres qui va du coup, en fait, éviter que le rouge à lèvres se disperse dans ces petites ridules. Le crayon à lèvres va faire, en fait, comme une barrière au niveau des lèvres pour que du coup, ton rouge à lèvres reste vraiment dans la partie des lèvres et pas du tout au niveau des ridules. Voilà, en espérant avoir répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à venir me voir en MP et je répondrai plus précisément à ta question. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite, je vous embrasse. Bye bye!